Et du coup, oh putain, je viens de voir. Je viens de voir les seedings. J'ai envie de pleurer, mais bon, c'est sérieux, s'il te plaît. Parce que là, je viens de descendre les yeux, je vois Kimaito seed 11. Je me dis, bon, Ouais. Bon, après, Nibo a gagné, mais je veux dire, Nibo, pour moi, c'est pas seed 9, quoi. Ah, c'est un upset factor 12 là pour la sortie. Au moins. Celui qui pose mieux le jeton. Mais bon, ça c'est un détail. Et du coup, ça joue sur le main. Ouais, les gens qui jouent leur second, c'est malaisant, quoi, bref. Ah oui, bah ça c'est vraiment les pires. Mais alors ceux qui gagnent quand même avec leur second, quoi, bref. Enfin, C'est terrible. Mais oui, du coup, Mufi qui avait dit pourtant qu'il allait entraîner son B-Brawler. Ouais. Mais du coup, il a changé d'avis. Il s'est peut-être dit, on prépare le Genesis, vaut mieux que je joue mon... Vaut mieux que je sorte mon main un petit peu de temps en temps, ce serait sympa. Histoire de le chauffer en fait. Je sais pas, moi j'ai payé pour 3 places. Mais bon, ça c'est un détail. Non, j'y vais pas. Non, t'inquiète, c'est private joke, t'inquiète. Oh! La saucisse sauce. Et oui, pour faire un petit fer surprise et le tuer. C'est pas facile. Ouais. Très bien, le petit qui va tuer tout juste sur SBF. Et du coup, en fait, Mufi qui a. Il s'affronte beaucoup, mais depuis leur dernier affrontement, Mufi qui joue beaucoup avec Salty Lemon, Free Clay, etc. Et du coup, qui vraiment dose de fou l'expérience Link, si on peut l'appeler comme ça. En vrai, faut pas slip dessus. Le monsieur est chaud, le monsieur est chaud. Ouais. Après, en plus de doser en free play, bon, je viens de voir le bracket. Le bracket, c'est littéralement, il vient de l'affronter. Il a affronté Salty Lemon pour arriver contre Item. Du coup, en fait, il fait deux links. À tout moment, il a affronté Astora tour 1, et c'était une run full link. Effectivement, Astora qui joue contre June, je crois, en reserve. June qui a perdu contre Nibodex, du coup. C'est Tekken. C'est Tekken, et si c'est Mufi qui l'a mis, c'est sûrement Cool Side. Voilà. Voilà, effectivement. Oui, parce que Mufi... Le truc, c'est que Mufi, là, ces pourcentages-là, il se précipite trop, il se dit, s'il te plaît, Wario, il prie en direction de WarioWare. Et il espère que ça marche. Et du coup là, il a attendu juste... Enfin, il a attendu l'erreur du Link pour se dire, ok, il a fait l'erreur, je peux enfin le tuer. Oh là là. Voilà, sur un landing, un mauvais landing, un upper en landing de fou là. Oh, on aurait pu faire un truc. Ok, ça tente des trucs, on sait qu'on saute en zone rouge cette fois-ci, on l'a pas fait, c'est bien vu du côté d'Item. Oh, on est... avec le rebond, on est passé au-dessus du jab lock. Ah, Super Smash Brothers. Attention, il va péter de façon aléatoire. Ok, courant de grab, très bien vu. En vrai, je respecte parce que dans ma tête, je me suis dit, il va se passer ça. Je l'ai vu la bêtise. Putain, je connais les shenanigans, tout ça. Oh, le jab. On a vu le jab de Wario. Mesdames et messieurs, il existe. The One Piece is real. Ça ne tue pas. Attention, ça va exploser. Non, malheureusement, il y a quasiment que Link qui peut jouer avec la bombe. Parce que vraiment, il y a quasiment que Link qui a vraiment des bonnes conversions bombes. Non, ça tue pas.
Oui, il faut l'écarter. Faut l'écarter du terrain. Soit l'écarter du terrain, soit la foutre à un endroit où tu te dis tu peux pas trop te faire setup. Et là, ça tue. Yeah. 1-0 pour Moufiak, évidemment. Elle est pas up to date. Elle est pas up to date. T'es pas down. Quelle vidéo absolument exceptionnelle. Je connais pas. Faudra demander à quelqu'un qui s'y connaît. Genre, je sais pas moi. Bah, ici, personne. Voilà, GG. Bravo à tous. Oui, au pire, mets-le. Enlève admin. Voilà, tac. Tic. On enlève admin, évidemment. Et. Voilà. Sinon, Elon Musk. Ah, non, c'est parce que tu dois aller sur le. Sur le Moobot et enlever admin. T'es vraiment sûr d'effectuer ça? Oh le malade! Oh le malade! T'es complètement dago. Non, tu fais actualiser le chat, regarde. Trickshot. Eh oui, je suis un technicien, moi. Technicien sur toutes les surfaces. Sauf les commentaires. Je ne sais pas faire. Non, mais faudra demander à quelqu'un de... Un ancien. Ah, oui, mais c'est trop technique, c'est trop technique. Bon, du coup, moi, je vais parler de la game vite fait. Alors, pour l'instant, ça se tape. Voilà, merci à tous. Non, du coup, on adore faire des upgrades du côté des items. Je ne sais pas pourquoi on adore ça. C'est vraiment un move de fou. Alors oui, c'est un move frame 6 qui va tuer super vite, mais faut doser, quoi. Faut doser. Et du coup, la vraie question de ce set, c'est de savoir si il va y avoir en top 8 une domination belge ou pas. Y aura-t-il une domination belge avec Nibodax qui gagne contre Echo, Item qui avance et les autres... Oh, bien vu ça. Et les autres belges qui ont dit « Non, je vais pas venir, c'est trop stack pour moi, je suis désolé, j'ai peur de perdre. » Ouais, je vais gagner des sous dans un tournoi online, ça va être trop hype. Est-ce qu'il aurait pas raison? Évidemment que non pour sa santé mentale, mais bon, c'est un détail. Et du coup, on est revenu relativement even entre les deux. Voilà, le seul moment où la bombe c'est bien quand t'as un perso corps à corps comme ça, c'est tu la lances, t'espères qu'il frappe la bombe, et du coup ça rend ses moves unsafe. Ok, ça tente des trick shots. Et non, c'est pas Siphonit. It'd be funny if Soul Tyranna were dominated by Belgium in melee and ultimate. Alors, pour commencer, comment dire ça? Bah, tout simplement ratio plus palu, en fait. Voilà. Et ensuite, là, le tournoi n'est pas fini, donc... moi, je connais des gens qui se sont fait karma déjà aujourd'hui. Mais alors, imaginez si en plus dans le chat, ça se fait karma ratio plus palu. À votre place, honte sur vous. Ouais, si, t'as Lunari qui est, on va dire, top 1 francophone, quoi, si on fait le... Donc il y a Raoul Lunari et voilà, quoi. Voilà, il y a Dr. Raoul. Voilà, les L-Cancel, tout ça, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Ok, ça, c'était vraiment bien vu. Il l'a conditionné à se foutre en l'air. Il est chaud. Ok, GG, alors je banne, du coup. Oh, ça tue pas. Mais non, mais... Plutôt avait raison, le waft c'est vraiment nul le waft. Il la bombe au point, c'était dangereux ça. Ok, on attendait extend de fou sur la bombe. Alors peut-être. Et non, la zone rouge.
La zona roja, la zona roja. Il faut arrêter de sauter dans la zona roja, s'il vous plaît, monsieur Item. Hein. Ça peut surprendre, mais il faut doser. Voilà, backdash ratio, prends ce slap. Voilà.